Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur ce deuxième épisode sur Rugby Union Team Manager 3. Toujours sur notre série, ben, on va essayer de faire monter le Biarritz Olympique en top 14. Et donc on se retrouve donc, pour ce deuxième épisode. Alors depuis le début de saison, ben, on a joué que deux matchs pour l'instant. Donc on a gagné le premier et on a perdu le deuxième de 1 point. Ben, du coup on se retrouve 5e au classement. Donc voilà, bon pour l'instant tout va bien. On a également démarré une carrière internationale avec l'équipe du Japon. Donc on aura premier match amical avec le Japon le 2 novembre et on va jouer contre les États-Unis. Voilà, donc bon, aujourd'hui on fera juste l'épisode sur le Biarritz Olympique et hop, donc ici alors les messages, j'ai un message. Non, c'est bon. Donc on revient à notre Biarritz Olympique. Donc nous avons un match à faire contre Nevers. Donc à Nevers. Nevers qui est 12e, qui a fait deux matchs, deux défaites. Ils ont récupéré deux bonus défensif. Donc pour notre part, on va essayer de faire tourner un peu l'effectif. On en a besoin parce que la saison va être longue. En plus, on a 6 joueurs blessés, un joueur suspendu. Donc on va faire tourner tout ça en espérant que ça se passera bien. Donc tactique toujours la même. Ça, je l'ai déjà présenté. Hop, ici. Notre compo d'équipe. Alors, un pilier gauche, donc là on va faire tourner un peu notre compo. Hop, on va mettre, ok, un talonneur, Ruffenac, qui est notre titulaire avec Père Blanc, et à droite Bessonard. On va faire jouer. On n'a pas beaucoup de piliers droits. Notre géorgien, et je vais quand même. Le problème, c'est qu'à droite, on a vraiment pas beaucoup de choix. Deuxième ligne. Dans la Saint-Cher qui est suspendue. Donc, on va faire jouer 8. Ok. Du coup, il faut que je me mette une deuxième ligne remplaçant. Tac tac, Léo Bastien. Troisième ligne. Eric Ouyen, Stephen David. Troisième ligne, c'est pas mal. On a pas mal de possibilités de faire tourner. Kevin Gamero. Ok. Troisième ligne, remplaçant. Ok. Troisième ligne, centre. Là c'est pareil, c'est un poste où on a un très bon Jordan Joseph qu'on a recruté 19 ans là, et après c'est quand même plus light Caro Callaghan. Alors 10 000 d'ouverture, je vais pas toucher premier, deuxième centre, je vais laisser comme ça. Les trois quarts je vais laisser comme ça. On joue beaucoup notre tactique sur les trois quarts, donc je vais voilà, on a axé notre stratégie sur les trois quarts, on va pas aller trop les, on va garder les mêmes, et notre stratégie c'est d'ouvrir le ballon sur directement sur les trois quarts et assez peu utiliser les avant. Ah ok, bon, j'ai deux trois blessés de plus. Bon, mais ce sera promis. À droite, qui c'est qu'on va mettre à droite, déjà que j'en ai pas beaucoup.
va mettre Stinagel. En troisième ligne, j'ai David qui est blessé. Alors, David est blessé, on va mettre... Ok. Ça, c'est plus embêtant, notre deuxième centre qui est blessé, c'est notre deuxième centre titulaire. Ça, c'est plus embêtant. Alors, Plessis, recrutement qu'on a eu cette année, qui est... Voilà, très bon joueur, ben, on va mettre Poy. Jarod Poy. On est bon, on n'est plus blessé, on peut y aller. Ah, attendez, on a 6 courriers. David blessé, en torse du genou une semaine. Les espoirs qui ont fait match nul. Blessure une semaine en torse du genou. Et Plessis une semaine aussi en torse du genou. En fait, décidément, on a que des entorses du genou. Et c'est sûr que. Ça va être compliqué. Bon. On va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a aujourd'hui de disponible. Présentation du match aujourd'hui. Donc l'équipe de Nevers en aptitude 90, on est à 99, donc on est très proche. En morale, c'est à 85, c'est un peu mieux que nous. Bon, nous, on vient de subir une défaite. Et en technique de joueur par rapport au poste, c'est à 39, on est à 39, donc c'est équivalent. C'est, sur le papier, ça devrait s'essayer. Mais on va voir ça de suite. On va voir ça de suite, en espérant que fasse un bon résultat à Nevers. Donc on joue en stratégie improvisée. Alors je rappelle, improvisée, ça veut dire que c'est nous qui décidons des lancements de jeu et des tactiques défensives. Donc on va laisser pour l'instant en défensif, on va dire en classique, si c'est normal, là c'est allégé. Voilà, on va quand même mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Alors attendez, on va se mettre une caméra latérale. Hop, voilà. Là on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. On va accélérer un petit peu. Hop. Allez, là. Allez. C'est pour l'instant, ils essaient de nous prendre au centre. Pour l'instant, on défend bien. Allez, pénalité pour nous. On va taper en touche. On va jouer sur les trois quarts comme d'habitude. Allez, pousser. Ah, ben joli. Et voilà, premier essai, moi le porté. Bon, pourtant, j'ai fait tourner devant. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue comme ça. On a perdu le ballon sur le regroupement. On se fait transpercer. Il faudrait pas prendre un essai d'entrée. Allez les gars, on va monter la pression défensive. Allez, il faut récupérer ce ballon. Aïe. Alors, on se fait transpercer au centre. On a notre centre titulaire qui est pas là. On se ressent. Allez, on récupère le ballon d'entrée. Allez, on ouvre sur les trois quarts. Allez, on joue toujours avec trois quarts, hein, comme d'habitude. On a des très bons trois quarts. On va en profiter. Et voilà, essai de Nicoué, notre ailier. Bon, par contre défensivement, on prend quand même pas mal de, d'essais. Alors pénalité à 67 mètres pour tout. On est trop loin, on n'a pas de buteur assez précis à cette distance. On va taper en touche. Et toujours pareil, on joue sur les trois quarts. Allez, continue à insister sur les trois quarts. Ça fait plaquer. Allez. On va perdre le ballon sur le groupe. Oh putain, mais c'est pas possible. En troisième ligne, quand même, on a pas de gratteur de ballon. Voilà, c'est compliqué quand même, troisième ligne. Passe au pied. Allez, il faut récupérer le ballon. Je suis en intensif sur les plaquages. Allez, il faut y aller, les gars. Ils ont un carton jaune en face. Donc, il faut profiter. On est en supériorité numérique. Il faut aller. Allez. Ah non, on va pas se prendre un essai. Oh, on va prendre un essai. Oh là là. Bon, on a pris un essai, 14-15, ils sont revenus à 15-15 maintenant. Allez, c'était la mi-temps. Voyons, physiquement, où on est. On a notre troisième ligne qui commence déjà à être cuit. Il faut qu'il tienne encore un petit peu, on va pas faire de remplacement encore. Allez, on joue toujours sur les trois quarts. Allez, on continue à insister sur les trois quarts. Bon, on a encore perdu le ballon sur le regroupement. Oh, on va prendre un essai, mais...
Il est fan de pas, allez. Allez, allez, putain, mais c'est quoi cette défense en mousse là? Mais dans les regroupements, on n'y va pas quoi. Donc c'est sûr qu'on risque pas d'aller récupérer le ballon. Voilà. Là, c'est bon, là, on va le récupérer. Allez, on joue sur les trois quarts. Allez, toujours, on insiste sur les trois quarts. J'aurais dû taper au pied là, mais bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il dort ou quoi? Mais il avance pas. Ça y est, c'est passé. Encore. On continue. Ah, mais il est blessé quoi? J'ai notre. Attendez, on va mettre sur pause. J'ai le 10, il avance pas. Et il est pas blessé pourtant. Qu'est-ce qu'il... Mais pourquoi il avance pas, Perrault là? C'est un problème. Hein, on perd de 2 points. Allez, 60e minute. Allez, c'est bien ça, mon gars. Allez, encore vite, vite, vite. Putain, mais il a un problème, Perrault. Il est handicapé, c'est pas possible, putain. Touche. Voyons. Allez. Allez, continue à écarter toujours. Mais c'est lent ça. Mais regarde-le, putain. Allez, mais. Allez, encore, on écarte. Allez, mais c'est pas possible. Ouf. Essai de Nicoué, encore deuxième essai. Alors, allez, on va faire du coaching, on va faire des remplacements. Là, c'est problématique, notre disque. Il joue comme un papy, putain. Allez, on fait première ligne. Neuve. Biche neuve. Deuxième ligne, on va remplacer. Troisième ligne et cuit, je remplace. Et après, le problème, c'est que j'ai pas de demi d'ouverture sur le banc, quoi. C'est comme ça, on va essayer de tenir 6 minutes à tenir. Allez, allez, on donne tout. Allez, allez, putain, les Perrault, putain, mais cours un peu. Allez. Ah putain, on perd encore le ballon sur le regroupement, c'est un gros souci quand même. Ah, c'est fini. Bon. Alors, petite victoire, 19-14. C'était pas brillant, brillant. homme du match quand même, c'est Perrault quand même. C'est notre meilleur joueur, quoi. Il a pas couru de tout le match. Il n'a pas couru tout le match. Moi, j'aurais plutôt mis Nicoué comme homme du match. Quand même auteur de 2 essais. Ouais, je trouve que c'est quand même été, ça a été autre chose que Perrault qui a bien distribué, on va dire. Mais dans le jeu, on ne peut pas dire qu'il était trop présent. Hein. Tech. Donc débriefons ça au classement, ça va nous donner quoi? Alors on va avancer un petit peu. Comme ça, toutes les équipes vont jouer. Tout le monde va être à 3 matchs. Et on va pouvoir voir où on se retrouve. Tu as là, 9 joueurs blessés, quoi. 9 joueurs blessés. Bientôt, il va falloir qu'on joue avec les juniors, quoi. Alors, il y a le traitement de l'entraînement. Alors, si on regarde les statistiques de la saison depuis le début, Gaëtan Robert, 104 points depuis le début de la saison, entre 10 titulaires. Notre demi de mêlée titulaire, 15 essais. Bon, il a joué là, hein. Il n'a pas mis aujourd'hui, mais il a gagné 1028 mètres. Ballon en main, voilà, c'est clairement notre vidéo mêlée. Majorité des passes, bon, en fait, ça vient de notre stratégie aussi. Hein, on joue beaucoup avec trois quarts, donc c'est le numéro 9 qui a beaucoup de ballons. 128 passes. Bon, après, notre le percé, c'est notre centre, hein, notre premier centre ici.
13 percées, voilà. Donc on a des bonnes stats et c'est pas mal. Après, le problème, c'est qu'on a des. Vous voyez, dans les joueurs, on est aux statistiques, on n'a aucune troisième ligne qui sort. On est un peu léger en troisième ligne. On va faire la saison avec ça. Je pense que ça devrait suffire pour réaliser nos objectifs de montée. Après, il faudra recruter l'année prochaine si on arrive, bien évidemment, à atteindre les phases finales. L'objectif, c'est de notre direction, c'est arriver en finale. Donc, ben, on va faire en sorte d'y arriver. On va voir ce que ça donne. Alors, il faut qu'on fasse l'entraînement du jour. Alors, on a match le dimanche. Donc, j'enlève les phases de repos. Pourquoi il pas enlever ces phases, oui. Ok, on va enlever tous les repos. S'ils veulent bien s'enlever. Hop, et hop. Ça ne va pas partir. Donc, c'est parti. Alors, on a mis quoi? Alors là, on est sur l'entraînement, sur le groupe d'entraînement des avants. Donc entraînement mêlé, ok, un peu de défense, un peu de muscu, tactique au pied, non, du plaquage, et une simulation de match, ok, ici, déviation tactique, mêlé, ici on en est au mêlé, donc ici pas de repos, hein. Ça, de la défense, tac tac tac, mêlé. Ici, je peux pas enlever les repos parce qu'il faut un million de repos par semaine. Tac, un peu de muscu et attaque sans opposition. Ici, non, j'ai déjà mis la muscu, du plaquage et repos. Voilà pour les avant. Les trois quarts. Tac. Ok. Là. Alors les trois quarts. Du plaquage. Du coup de pied. Déviation tactique. De la défense. De l'attaque. Un peu de cardio, déviation tactique, coup de pied. Ça me paraît pas mal. Ensuite ici, on va faire un peu de puissance, ça ne fera pas de mal, un peu de la défense, du plaquage et de l'attaque, je l'ai où? Attaque. Ok. Bon mais voilà, ça me paraît pas mal. On a fait notre programme d'entraînement. Pour la semaine, on va revenir ici, on va checker un petit peu le classement. On est toujours cinquième avec 3 matchs, 2 victoires, 9 points. On n'est pas trop mal pour l'instant. On est dans notre plan de bataille. Le but c'est d'être ici premier. Le but c'est pas d'être premier maintenant, c'est d'être premier à la fin de la saison. Nos courriers. Qu'est-ce qu'on a encore? Une blessure de plus. Une semaine. Lésion musculaire. Ok. Victoire extérieure. Ok. Donc voilà. Donc il nous reste un prochain match. On va jouer à domicile contre Oyonnax. Oyonnax qui est aujourd'hui 12e. Qui est une équipe qui descend. Hein, top 14. Qui a un très très bon effectif. Donc là il faudra se méfier. Bon, on va essayer de faire jouer nos titulaires. On aura pas mal de joueurs blessés. On va avancer jusqu'au match, comme ça on sera pour le prochain épisode ben, prêt à pouvoir attaquer directement sur le match. Dans les commentaires, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu ou si vous voulez que je précise certaines choses sur le jeu. Surtout, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour essayer de vous aider sur ce magnifique jeu de management. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez aimé cette série, de mettre un petit pouce bleu. Un email, on va regarder ce que c'est. Hein. Les espoirs qui ont gagné,
Ok, et une offre de transfert pour Stark. Non, on a dit qu'on faisait pas de vente. On refuse. Et on supprime tout. On va pas vendre de joueurs. On verra les ventes de joueurs, les transferts, tout ça pour la saison prochaine. Donc, je vais vous laisser sur cet épisode-là. Et en vous disant à très vite pour la poursuite de la saison avec le Biarritz Olympique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.